Bonjour, Marie et ses amis poètes vous souhaitent une bonne rentrée 2023-2024. Son coup de cœur aujourd'hui est Patrick Arnoux. Né le 3 février 1964 à La Rochelle, marié, il habite le centre historique de Bordeaux. Il s'est tout d'abord exprimé par le dessin, le collage, puis ensuite la peinture pendant de longues années, produisant quantité de fresques et toiles. La naissance d'un premier garçon, puis d'un deuxième, au tournant du siècle, il stoppe toute activité créative afin de leur consacrer tout son temps, congé parental. Il reprend ensuite l'élaboration d'une fresque inspirée du nombre pi en 2007. Travail toujours en cours lorsqu'intervient un événement qui fera qu'il ne sera jamais mené au bout. C'est cela qui va pousser à Patrick Arnoux à écrire au début de l'année 2011, sous forme de thérapie. Le temps passant, il commence à écrire sur tout et n'importe quoi, et de moins en moins sur lui. Il a atteint enfin, il suppose, un bon niveau de résilience. Et voici maintenant, hommage ou pas, un vieux conteur et sa guitare, accompagné d'un gorille de Zanzibar, une jolie chanteuse au répertoire très fourni, friande de sucettes à l'année, un chanteur de droite qui ne rigole pas, au fond du lac Connemara. Une québécoise prénommée Céline, frappant d'acouphènes tout le cartel de Midland. Un corésien agrégé de philo-niaiserie, suivi d'une meute de bonhommes en mousse en furie. Trois gourmands qui, tout en sirotant un café, imaginent par accident une chanson de qualité. Un garçon boucher au physique un peu ingrat, accoudé au comptoir du bar tabac, Pierre, poète vachement rigolo, ouvrant toutes les cages aux oiseaux. Jacques, le plus grand des magiciens, auteur-compositeur hors du commun. Enfin, un lin aux artères irriguées d'une étrange sève, dont Madame, aujourd'hui, encore rêve. Et voici ma deuxième lecture de poésie de Patrick Arnoux. De dessous la banquette, un tout petit truc à roulettes portant d'énormes lunettes, issu du songe d'une cacahuète. Ça file sur la moquette, en couinant comme une trompette, histoire d'effrayer la chatte Morissette, qui s'est réfugiée dans les toilettes. Personne ne croira à la pauvre bête, puisque la petite chose n'existe que dans la tête d'une bien étrange cacahuète, oubliée sous la banquette par un aspirateur obsolète. Marie et ses amis poètes vous remercient et vous donnent rendez-vous mercredi prochain. Au revoir.